par où tu vas passer, afin que ces matins de gloire, je sois celui qui doit être heureux. Car c'est un heureux homme qui est fou. Mais ce matin, je vais écouter et je vais être heureux. Yahweh, je m'abandonne à toi, je me confie. Je recommande ton serviteur Dieu, choisi ce matin, Seigneur, pour nous enseigner, Dieu de bonté. Remplis son dépôt, Adonai, et inspire-le. Délie sa langue, Père de gloire éternelle. La Bible dit, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs, mais sur la puissance de la démonstration, Seigneur. Mais pour Dieu qui est la démonstration de puissance ce matin, Dieu de gloire, de bonté, de fidélité, le Dieu de grâce. Yahweh, multiplie tes grâces, oh Dieu, ce matin. Yahweh, sois loué, Père de gloire. Remplis-les, Seigneur éternel. Oh, l'onction, Dieu de gloire éternelle. Yahweh, une onction particulière encore ce matin, Dieu, dans sa vie. Dieu de bonté, d'amour, notre roi, le Dieu de justice, de fidélité, le Dieu rempli de faveurs, Seigneur. Yahweh, laisse quelqu'un qui bénéficie de ta faveur ce matin. Oh Dieu, la Bible dit jamais on m'a parlé comme toi. Laisse que ce matin, oh Dieu, alléluia. Merci. Alléluia. Amen, amen. Et à tout là-bas sauf rien.
Alléluia. Quand je parle de tout ce qui est positif, déjà celui qui a infiltré le mal dans le monde ne sera pas. Alléluia. On vivra une amour. Alléluia. Et la volonté de Dieu est que tous nous puissions participer à l'enlèvement. Et j'ai ouvert une parenthèse en disant que malgré que les écrits nous sont présentés, il y aura quand même des chrétiens qui vont rester. Dommage, parce que ces chrétiens-là, nous avons dit, ils vont vivre la grande tribulation. La grande tribulation, c'est l'antichrist. C'est les choses horribles qui vont se passer après l'enlèvement de l'Église. C'est là où on entend parler de la marque de la bête. On va imposer certaines choses. D'ailleurs, nous sommes dans la phase de préparation. Quand vous voyez le vaccin, vous voyez le Covid, ce n'est que selon le livre d'Apocalypse, la préparation de l'Antichrist. Mais ce n'est pas encore l'Antichrist. Mais il y aura des moments terribles, bien-aimés. Terribles. Bizarres. La Bible dit que la Bible appelle ça l'angoisse de Jacob. Ça veut dire la douleur. La douleur que jamais le monde a vécue. Alléluia. Et la parole est à notre disposition pour éviter que nous puissions vivre cette période-là. La grande tribulation. Alléluia. Est-ce que nous croyons que si Jésus revenait maintenant là, nous ferons partie de ceux-là qui vont aller au ciel. Alléluia. Est-ce que nous croyons? Amen. Et si nous croyons, nous acclamons le Seigneur au nom de Jésus. Amen. On se verra ces jours-là au paradis avec Jésus. Et ça sera merveilleux. Quand on se retrouve ensemble et qu'on regarde le frère, qu'on regarde la sœur, je dis finalement tous, c'est comme dans un voyage dont nous achetons les billets. Et tant que tous ne sont pas dans l'avion, on a des doutes. N'est-ce pas, homme de Dieu? On a des doutes. Tu t'es caché, on a des doutes. Il faut que toute la famille soit dans le vol pour qu'on se rassure. Alléluia. Et je ne sais pas quel état, dans quelle position notre pasteur sera. Il va simplement regarder. Il va commencer à contrôler tout le monde. Est-ce que cela que j'ai conduit, l'évangéliste va commencer à regarder les visages. Est-ce que c'est vrai le travail que nous avons fait? Est-ce que finalement ils ont participé? Alléluia. Ces jours-là, grand. Alléluia. Et notre prière tous les jours est que nous ne puissions pas rater ce moment-là. Parce que personne ne connaît le jour. La Bible typifie sa venue comme un voleur qui vient au milieu de la nuit. Il n'avertit personne. Si on était averti de l'arrivée du brigand, du voleur, tout le monde se mettait à la porte avec peut-être une matiette, un fusil, avec un couteau pour l'attendre. Mais elle a dit que Jésus viendra comme un voleur. À l'heure où le propriétaire de la maison ne s'attendait pas. Pendant que tu ronfles, pendant que tu dors. Alléluia. C'est en ce moment-là qu'il va arriver. Alléluia. Et il faut vraiment beaucoup penser à ça. Moi, ma priorité, c'est cela. Parce que depuis que j'ai compris que ma vie ici-bas est tellement courte. Alléluia. Et que la vie éternelle est pour moi. Je ne pense pas, je ne regarde pas trop. Maintenant, là, depuis que j'ai compris ça, à la vie présente. Quand Paul pouvait dire, je regarde à la couronne qui m'attend. Alléluia. Ça ne sert à rien de gagner une voiture, de gagner une maison, de gagner beaucoup d'argent et de perdre son salaire. Ça ne sert à rien de rentrer en conflit avec un frère ou une soeur. De garder la colère, la haine contre une personne. Au début de la semaine, j'ai reçu des images d'un pasteur qui était invité en Afrique du Sud. Et quand on poisonnait, le pasteur est décédé. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, aujourd'hui, l'Internet, après, il y a tellement de choses, des images falsifiées, j'ai pas cru. Quand j'ai reçu, pour la deuxième fois, non, j'ai commencé à réaliser. Et quand j'ai reçu, pour la troisième fois, c'est le pasteur qui l'a envoyé, avec des commentaires, avec ma femme aussi la quatrième fois, j'ai réalisé que c'était sérieux. Un pasteur qui était invité en Afrique du Sud pour aller
prêcher la bonne nouvelle. Mais qui ne savait pas que la mort l'attendait là-bas. Arrivé là-bas, je ne sais pas si c'était le café qu'on avait servi, je ne sais pas si c'était l'eau. Il est monté, il a prêché, mais il ne se sentait pas bien. Et il a dit au pasteur de l'assemblée, j'étais bien arrivé, j'étais en bonne santé, je ne sentais rien du tout. Mais depuis que j'ai commencé, depuis que j'ai pris ce verre, je ne sais pas, du café ou d'eau, je sens comme s'il y a quelque chose en moi qui m'empêche de bien respirer. Et au final, quand on l'a amené à l'hôpital, il s'est tout fait, le pasteur est décédé. J'ai vu les images même à l'hôpital, comment le pasteur priait pour lui. Il lui demandait de revenir à la vie. Je ne sais pas si c'était le responsable de l'église ou c'était un ami parce qu'il appelait par son nom d'enfance un truc comme ça. Et ça m'a marqué. Toute la semaine, j'étais touché. J'étais touché. Et ça, c'est le cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, on va vraiment insister sur le cœur. Et que Dieu bénisse son serviteur. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Compliqué. La personne que tu fais confiance, la personne que tu peux même inviter, donner tout ce que tu as. Et c'est la personne qui, et je ne sais pas, cet homme est un homme, il a perdu une faculté. Et s'il pouvait revoir sa vie, parce que déjà accepter une telle invitation, ça veut dire que c'est quelqu'un qui était proche de lui. Et s'il pouvait voir, malgré qu'il avait de l'amour pour la personne, c'est que cette personne réservait pour lui. Alléluia. Amen. La Bible dit, soyez prudents comme le serpent. Je vous envoie au milieu de loups comme des bébés. Soyez prudents comme le serpent. Et humble comme la corne. Alléluia. Le cœur de l'homme. Le dimanche passé, j'ai intitulé le thème le revêtement spirituel pour le saint. Pour le saint. Le révélation spirituel, quand j'ai médité par rapport au message que l'homme de Dieu nous avait donné, et j'ai eu la pensée était de aussi beaucoup plus centrer sur le spirituel, parce que c'est lui, je me suis dit, c'est lui qui n'a pas compris ce qui est invisible, ça sera difficile pour lui de comprendre ce qui est visible. C'est vrai que Jésus nous a amenés dans les choses visibles pour nous expliquer les choses invisibles, mais la première des choses dans l'homme, c'est d'abord l'esprit. C'est Job qui le dit. Alléluia. C'est l'esprit d'abord. Tant que nous n'avons pas compris le but de notre existence, tant que nous n'avons pas compris pourquoi nous sommes sur la terre, tant que nous n'avons pas compris pourquoi nous vivons, tant que nous n'avons pas compris pourquoi nous venons à l'église, ça ne servira à rien que nous puissions prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Il faut d'abord comprendre les choses élémentaires. Et c'est ce que notre Messie a fait au départ. Il a expliqué les choses, vous savez. Tout ce qu'il a expliqué, et la multiplication des pains, c'était bon. Guérir un malade, c'était merveilleux. Ressusciter un mort, c'était vraiment merveilleux. Parce que le souhait de tous ceux qui pleurent, leur mort, c'est de le voir revenir en vie. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'ils puissent partir. Mais ils avaient à côté d'eux une personne qui était capable de ressusciter le malade, de donner la vie à celui qui l'a déjà perdu. C'était un gain pour eux. Mais quand Jésus arrive dans une autre phase pour expliquer les choses spirituelles, c'était compliqué pour eux. Il a dit l'amour, c'est aimer la personne qui ne t'aime pas. L'amour, c'est prier pour ton ennemi. C'est lui qui veut ta mort, c'est lui qui veut ta peau. Ils ont dit non. Ce n'est pas lui. C'est vrai qu'il faisait un peu la comparaison entre ce qui avait été annoncé depuis par les prophètes et voir un peu dans la vie si cela concordait à la prophétie. Ils ont vu beaucoup d'éléments. Mais quand il arrive sur ce point-là, c'était difficile. C'était spirituel. Ça dépassait leur entendement. Alléluia. Nous avons noté le texte de base de dimanche passé sur Genèse 3, verset 1 au verset 11 et verset 21. Là, dans, nous avons parlé d'Adam dans le jardin d'Éden. Adam qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et mis dans un endroit où il devait démontrer à celui qu'il avait créé qu'il était capable aussi de faire quelque chose. Alléluia. Amen.
Le but d'Adam dans le jardin, c'était en fait, c'était un test pour lui. C'était Dieu voulait le voir aussi dans une activité en train de faire quelque chose. Parce que dans Adam, nous avons dit, j'ai dit le dimanche passé, il y avait le Nechama. Le Nechama, c'est le souffle de vie. Et nous avons dit que l'homme est triparti. Il y a le côté spirituel, le côté de l'âme, il y a le côté du corps. Et l'esprit, c'est la partie de Dieu. Et l'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments, et c'est le sang, le moteur de l'homme, le cœur. Alléluia. Et le corps de l'homme, c'est l'agent qui exécute les ordres qui viennent de l'âme. Alléluia. Et donc, Adam était fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et le but de Dieu, c'était de le voir évoluer dans le jardin. Et vous voyez comment il a commencé à donner les noms, c'est l'intelligence qu'il avait. Et il a donné tous les noms que portaient les animaux dans le jardin. Il a même donné le nom à sa femme. C'est lui qui a donné, c'est pas Dieu qui a donné les noms. Parce qu'il avait encore l'intelligence, l'esprit de Dieu en lui. La communion avec Dieu. Et Dieu voulait voir la manifestation de cette portion de lui qui était dans l'homme. Alléluia. Amen. C'était dans Genèse 3, verset 1, verset 11. Et nous avons défini les trois mots, revêtement spirituel et salut. Ça ne sert à rien, j'ai suivi qu'il y avait un peu de technique le dimanche passé sur la diffusion. Donc c'était pas en direct, c'est pourquoi j'essaie un peu de revenir pour mettre à jour ceux-là qui n'ont pas suivi. Aussi, nous avons défini les trois mots, le mot revêtir, le mot spirituel, le mot salut. Et nous l'avons donné dans tous les sens, en hébreu, en grec. Et finalement, nous avons dit qu'en l'homme, il y a trois parties. La partie que j'expliquais tout à l'heure. Et nous avons noté une particularité dans le jardin, dans ce qui s'est passé après le péché. C'était le choix de l'homme et le choix de Dieu. La façon de voir de l'homme et la façon de voir de Dieu. L'homme a vu les feuilles de figuier pour la solution à son problème. Mais Dieu est allé plus loin, il a pris les peaux d'un animal. Alléluia. Et nous avons expliqué la conséquence, la facilité que l'homme pouvait avoir pour mettre les feuilles de figuier. Ça ne servait à rien du tout en fait. Parce que les feuilles sont bonnes quand elles sont encore prêtes. Mais quand elles sèchent, elles ne sont plus utiles. Alléluia. Amen. Et même quand elles sont bêtes, quand le vent souffle, le vent ne peut pas être, toutes les feuilles ne peuvent pas retenir le vent. Alléluia. Et nous avons... C'est là que j'ai vu la particularité, la pensée de Dieu et la pensée d'Adam. Et plus loin, nous avons dit que finalement, dans la dimension spirituelle, Adam était déjà vêtu. Alléluia. Amen. Et les habits qu'il ne pouvait pas voir avec les yeux, charnels, mais que Dieu lui-même pouvait regarder celui qu'il a créé et contempler et admirer sa création. Parce que Dieu a dit, quand il a créé l'homme, il a dit que c'était bon. C'était bon. Alléluia. Amen. Et toute sa créature, il a trouvé que l'homme était bon. C'est-à-dire que l'homme, il a placé au-dessus de tout ce qu'il avait créé. Et nous avons parlé aussi de ce que ce même Adam habillé, et nous avons expliqué les habits qu'il pouvait mettre après le péché, et nous avons essayé un peu d'illustrer cela avec les habits de l'agneau. Parce que Dieu nous cache l'animal qui avait été tué pour prendre la peau, et on s'est dit qu'on ne pouvait pas voir la peau d'un animal sans pourtant parler de la mort d'un animal. Alléluia. Et plus loin, nous avons vu dans la parole de Dieu que l'agneau avait déjà été immolé dès la création du monde. Et avant même la fondation du monde. Et par là, nous comprenons que les habits qu'Adam pouvait porter avant, c'était Christ. D'ailleurs, il est dit dans sa parole. Les habits invisibles. C'est pourquoi nous avons parlé de l'homme intérieur. Quand l'homme intérieur est très bien habillé, l'homme extérieur n'aura pas de problème pour l'habiller. Alléluia. Amen, amen. Donc, Dieu voulait d'abord habiller l'être intérieur et ensuite à l'être intérieur, de penser à l'être extérieur. Est-ce que ça passe? Alléluia. Amen. Quand le côté spirituel est garni et rempli, le côté charnel n'a plus de problème. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de l'influence, de l'environnement. J'ai donné l'exemple d'un enfant. Un enfant qui grandit dans un quartier, d'ailleurs le résultat d'un enfant ou d'une personne qui est majeure, c'est tout ce qu'il voit et tout ce qu'il entend.
Au-delà de tout ce qu'il a vu et tout ce qu'il a entendu, il n'y a plus rien. Alléluia. Tel que nous sommes ici présents, si on nous présente des choses que nous n'avons jamais étudiées, que nous n'avons jamais entendues, on sera incapable de répondre à ces choses. Parce que ça va dépasser notre niveau. Alléluia. Amen. L'homme est le résultat de tout ce qu'il a vu et de tout ce qu'il a entendu. Et par là, nous attirons l'attention des parents pour les enfants. L'environnement pour les enfants. Les analyses ont fait que l'enfant accumule tout ce qu'il va projeter pendant l'âge de la maturité de 2 à 6 ans. Dépasser cet âge, il est presque impossible, selon la science, de rattraper cet enfant. C'est bizarre. C'est souvent l'âge qu'on néglige, les enfants. Surtout les enfants qui grandissent avec des grands-parents. On ne corrige pas. Et surtout ici, en Europe, on ne frappe pas les enfants. Mais dans la Bible, Dieu frappe. Alléluia. Est-ce que vous savez que Dieu a une chicotte? Quand il parle de châtier, c'est frapper avec amour pour le but de donner une bonne correction. Parce qu'à des moments où tu as parlé, l'enfant n'a pas écouté. Tu as parlé, tu as encore parlé, il n'a pas écouté. Il y a des moments qu'il faut prendre la foule. Alléluia. Et l'enfant qui comprend, il a compris, oui. C'est que j'ai atteint un niveau où il faut oublier. Alléluia. Il faut apprendre nos enfants. Donc, le problème du cœur que nous avons parlé au début, c'est un problème de l'environnement. Est-ce que ton cœur aujourd'hui est environné de quoi? Regarde à ton cœur, rentre au-dedans de toi. Rentre au-dedans de toi. Regarde ton cœur. Est-ce que ton cœur est rempli de quoi? La Bible dit qu'une source ne peut pas en même temps donner de l'eau amère et de l'eau douce. Ce n'est pas possible. Et c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que quand on voit une personne assise qui n'a jamais parlé, on ne connaît pas son identité. Alléluia. Tu ne peux pas le connaître. Voilà pourquoi c'est dangereux de vivre avec des gens qui ne parlent jamais. Ah oui. Il y a des gens qui les présentent sous une forme d'humilité. Non, ce n'est pas d'humilité. Il faut parler. Il faut qu'on écoute ce que tu penses. Il faut que tu exposes quelque chose. Alléluia. Sinon, on ne comprendra rien de toi. Et quand la personne va commencer à parler, et quand nous allons écouter les premiers, les deux, on va analyser un nom. Ça veut dire que cette personne est ceci. On ne peut pas faire ceci, on ne peut pas le toucher dans ce sens parce que ça, en fait, vous êtes en train d'identifier sa personne spirituelle. Mais on parle. C'est pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire, je suis celui, la voix de celui qui crie dans le désert. Je ne suis pas le prophète tel que vous le pensez. Je ne suis pas le fils de Zacharie tel que vous le voyez. Mais je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Et vous faites erreur. Parce que vous allez me juger, vous m'avez vu grandir comme tout autre enfant. Vous allez me juger, vous allez voir, j'ai été à l'école comme tout autre enfant. Mais en réalité, en moi, ce n'est pas ce que vous voyez. C'est l'Esprit de Dieu en moi. Je suis omniscient. Amen. Alléluia. Amen. Je suis omniscient. Et c'est ce que nous sommes ici d'ailleurs, tout le monde. Alléluia. Le cœur de l'homme. Un dépôt des choses de l'environnement. C'est bizarre. C'est bizarre. Et j'ai discuté avec des gens. Et j'ai lu un livre. Pendant qu'on discutait avec un frère qui m'avait donné un livre. En fait, dans ce livre, on a dit impossible pour un homme qui a reçu une mauvaise éducation. Il n'y a aucune école qui peut rattraper cet homme. Dans ce livre-là, ce qu'il a écrit. Il n'y a aucune école qui peut rattraper un homme qui a raté son éducation. De 2 ans à 6 ans. Et vous allez vous souvenir des Juifs. Quand j'ai parlé du mariage, comment ils entretiennent leurs enfants de 0 à 6 ans. Ils sont eux-mêmes pédagogues de ces enfants. Et de 0 à 12 ans, il présente l'enfant. En fait, c'est l'éducation. Les Juifs ont compris que la base d'une famille, c'est l'éducation. Alléluia. C'est pourquoi ils sont tous différents. Alléluia. Ils sont différents. Tu ne vois pas dans les situations, dans je ne sais pas quoi, tu ne les trouves pas. Parce que dès le bas âge, ils ont compris que c'est l'âge qu'il faut prendre soin de l'enfant.
Et nous savons bien que le système de ces pays-là nous empêche de donner la bonne éducation à nos enfants. Nous le savons bien. Et pour ceux qui ont compris cela, ils ont pris des mesures. Parce que le but de ce système, c'est de gâcher ces enfants. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont comme projection pour demain. Et ils ont besoin de nos enfants demain pour accomplir ces projets. Ils savent que demain, après-demain, ils seront plus en vie. Parce que vouloir ou pas sorcier, chrétien, magicien, à un âge donné, il faut que tu meures. Alléluia. Amen. Et ils préparent déjà leur succession. Et ceux qui vont les succéder, ils pensent à nos enfants. Et nous, les chrétiens, nous sommes là. On est présents. On prêche parfois. On prie tous les jours. Et on s'occupe pas des enfants. On leur laisse le temps avec les téléphones, avec la télévision, avec tout ce qu'ils ont mis à la disposition. Sachant que derrière chaque image, il y a un message. Un message. Le cœur de l'homme. Ça se prépare dès le bas âge. Dès le bas âge. Et quand j'ai parlé du cœur de l'homme, j'ai parlé du comportement, les habits spirituels, j'ai énuméré cela, c'était les œuvres, les comportements. Nous avons parlé des fins lin. Les fins lin, c'est en fait une étoffe, et une étoffe plutôt, qui est faite à base du lin. Mais la particularité de ce tissu, c'est la couleur blanche. En fait, quand on parle du fin lin, on fait allusion à une couleur. La couleur blanche. Et nous savons que dans la parole de Dieu, la couleur blanche, c'est la sainteté. La sainteté. Alléluia. Et Dieu veut nous voir dans l'habit de la sainteté. Revêtu de gloire et de puissance. L'habit que Christ avait. Et nous avons d'ailleurs dit que Jésus est mort tout nu à la croix. Il n'avait pas d'habit sur lui. Il n'avait pas d'habit. Et j'ai aussi dit que quelque part, pour ceux qui viennent, qui s'habillent pour impressionner ou pour montrer aux gens qui peut-être qu'ils savent mieux habiller que les autres. Dieu n'a rien à voir avec tes habits. Rien à voir avec tes habits. Dieu regarde au cœur. Dieu préfère encore prendre quelqu'un qui a un t-shirt. Un short, mais qui a un cœur penché vers lui. Que celui qui est habillé. Nous avons l'histoire. L'illustration de l'histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare. Alléluia. La Bible dit que l'homme riche était vêtu de fin lin. Vous savez, le fin lin, comme j'ai expliqué, c'était l'image, ça donnait l'image de quelqu'un qui était juste, quelqu'un qui était saint. Et si on pouvait identifier, qualifier cet homme riche, on disait qu'il était chrétien, qu'il était bien. Alléluia. Mais dans son cœur, il n'avait pas les bonnes choses. Déjà, rien que par l'explication de l'histoire, a dit que le pauvre Lazare vivait des miettes. Ça veut dire qu'il était assis, il mangeait le poisson en entier et il jetait les arêtes. C'est le pauvre Lazare qui se nourrissait de ses arêtes. Un homme qui a de l'amour ne peut pas faire ça. Et la Bible dit que les 200 morts sont décédés. L'autre, le pauvre Lazare s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham. J'aime ça. Le sein d'Abraham, c'est le lieu de repos que Dieu a réservé pour ceux-là qui sont morts en Jésus. Alléluia. Amen. C'est le sein d'Abraham. Là-bas, c'est la douceur. En fait, tu vis déjà, tu es bon. Tu vis déjà l'avant-goût du paradis dans le sein d'Abraham. Parce que quand nous lisons, dans la Bible, là où il avait envoyé l'homme riche, on l'appelle le mauvais riche aussi. Et il n'avait rien. En fait, il lui manquait même de l'eau. Elle dit que c'était le tourment. Le mot, c'est le tourment. Et vous savez ce que ça veut dire, le tourment? Si on vous fait tourner 5, 6, 7, 8, 10, vous allez voir qu'il y aura des vertiges, n'est-ce pas? Mais le lieu s'appelle le lieu de tourment. La Bible ne signifie pas s'il y avait un feu, s'il y avait. Mais le lieu de tourment, ça veut dire que le lieu qui te rend mal à l'aise déjà. Et tu es là-bas. Mais il te laisse des envies. C'est ça qui est bizarre. Elle dit que tu peux avoir soif, mais tu n'as pas l'eau. Il ne te tue pas les envies, mais il te laisse avec des envies. Mais tu es dans ces lieux. C'est comme si on se jetait en prison. Mais on te donne rien. Déjà, tu es en prison, tu n'es pas libre, mais on te prive de la nourriture. Alléluia. Amen.
le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. L'homme est donc le résultat de son environnement. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler d'un sous-thème. Le sous-thème est la part de l'homme. La part de l'homme. Vous comprenez la part de l'homme dans le revêtement. Alléluia. Amen. La part de l'homme dans le revêtement. Nous allons lire un texte. Homme de Dieu, je peux m'aider à la lecture. Nous sommes dans 2 Pierre 1, verset 5 au verset 15. Pierre 1, verset 5 au verset 15. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Je continue. Est-ce que, homme de Dieu, quelqu'un peut m'aider à lire cette traduction? Commence à partir du verset 3, s'il te plaît. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable. Par sa puissance, Dieu nous a donné quoi? Tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut. Pour continuons de Dieu. J'ai aimé, c'est pour ça que j'ai aimé la version. Avec oui. Pour accéder à la vie éternelle, à la vie véritable. Il nous a tout donné, il a mis à notre disposition tout ce qui est possible pour que nous puissions rentrer dans la vie. C'est le salut dans notre version. Et pour vivre dans l'attachement à Dieu. Et pour vivre dans l'attachement à Dieu. Est-ce que nous sommes en train de comprendre ça? Il nous a tout donné, il ne nous a pas fait entrer, mais il nous a tout donné pour vivre dans l'attachement avec Dieu. Mais ce qu'il nous a donné, c'est les capacités qui nous permettront de rentrer. Alléluia. Amen. Mais il ne nous fait pas rentrer. C'est ça qui est bizarre. Alléluia. Tu peux continuer, homme de Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Grâce à elles, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participants de la nature divine. Pour cette raison même, faites de votre côté tous vos efforts. Pour cette raison même, la raison c'est ce qu'il a évoqué au début. Pour cette raison même, ça veut dire que pour maintenir la vie qu'il vous a donnée, les capacités qu'il vous a données pour entrer, pour cette raison même, faites tous vos efforts. Dans l'autre version, et dans la version, on dit pour cette raison même, faites de votre côté
tous vos efforts. Faites de votre côté tous vos efforts. J'ai aimé ça. Faites de votre côté. Ça veut dire que Dieu a fait sa part. C'est comme si, homme de Dieu, tu peux t'asseoir. S'il te plaît. Merci. Je vais expliquer ça. C'est comme si mon enfant qui part à l'école, toute l'année, il lui faut le ticket du bus ou du train, du tram. Moi, le papa, qu'est-ce que je fais? J'assure tout. Je paye son abonnement, je paye son assurance, mais ce n'est pas le papa qui va se rendre à l'école, n'est-ce pas? C'est l'enfant qui va aller prendre son bus, bien qu'il a le ticket, bien qu'il a l'assurance, c'est à lui d'aller prendre son bus, son train, son tram pour arriver à l'école. Et c'est lui qui doit entrer en classe. Ce n'est pas le papa. Vous comprenez ça? Ça veut dire en notre thème quoi? Ça veut dire que l'enfant en sortant de la maison, il peut perdre son ticket. L'enfant en sortant de la maison peut perdre son assurance. L'enfant peut vivre un accident. L'enfant peut changer de comportement en cours de route. Et si, malgré que vous avez le ticket, malgré que vous avez toutes les conditions que papa a réunies, comme l'homme de Dieu a parlé de l'héritage tout à l'heure, mais si vous n'êtes pas conscient, si vous faites un faux pas avant d'arriver à l'école, vous êtes perdant, oui ou non? Oui, perdant. Vous perdez. Et on dira quoi? La faute à papa. C'est ça? C'est ça? Non. La faute à l'enfant. En fait, c'est ça que Paul est en train de vouloir nous expliquer. Dieu nous a tout donné. Ce qu'il nous a donné, c'est la parole de Dieu. Dieu nous a montré tous les exemples pour nous servir de témoin, afin que nous puissions mener la vie comme Jésus lui-même l'a menée sur la terre. Nous avons tout à notre disposition. Alléluia. C'est comme si, comme l'homme de Dieu parlait de l'héritage, il est rentré là, a dit que ton père t'a laissé une maison. On te donne la clé. Est-ce que si toi-même tu n'ouvres pas la maison, tu auras accès à cette maison? Non. Il faut que tu ailles ouvrir. Il faut que tu rentres. Il faut qu'il y ait une action. Alléluia. Amen. Pour accéder. J'aime bien le français quand ça vient comme ça. Il faut qu'il y ait une action. C'est vrai. Sinon, tu n'accèdes pas. Tu vas rester dehors. C'est pourquoi la Bible dit, aussi longtemps que tu es encore à l'âge de l'enfant, tu ne diffères pas un esclave. Aussi longtemps que tu n'as pas encore compris les choses spirituelles, tu ne diffères pas à un ignorant. Il faut comprendre la volonté de Dieu afin que tu vives la vie du christianisme ici sur la terre. En fait, nous vivons déjà le salut sur la terre. Pour celui qui accomplit le salut. Parce que le salut, nous l'avons défini comme étant la délivrance, la sécurité. Tout cela, nous voyons même que comment on a défini le salut comme le nom de notre maître. Yeshua, qui veut dire le secours de Dieu. C'est lui qui sauve. Alléluia. Et dans le cœur de l'homme, c'est pourquoi j'ai dit, je vais insister sur le cœur. Dans le cœur de l'homme, en fait, quand nous avons grandi, nous avons reçu des choses, et quand la parole de Dieu arrive dans notre vie, le but de la parole, c'est quoi? C'est nous effacer un peu de tout ce que nous avons reçu depuis notre enfance. Et ça, c'est par le concours du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi, Romains 12, verset 2, s'il te plaît. Romains 12. Je vais expliquer d'une manière simple. Vous savez la Bible? J'ai lu par la version. Par non, même dans la version. Romains 12, verset 2. Donc, je peux commencer avec le premier verset, sous verset 2. Et c'est comme j'ai discuté avec un frère, je disais, mais vous savez que la Bible, les versets, les chapitres sont venus après. C'était les hommes qui ont pensé avec les chapitres, les versets. La Bible, c'est une histoire. C'est-à-dire que c'est un père comme notre papa, Samuel. Il se met devant nous, il nous explique une histoire. Il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que la Bible est constituée. Ça veut dire que c'est l'histoire de Paul, c'est ce qu'il racontait à ses enfants. L'histoire de Jean-Baptiste, c'est ce qu'il racontait aux gens. Et quand les gens l'ont pris, ils ont dit par rapport à notre génération, pour la bonne compréhension, il faut mettre les versets, il faut mettre les chapitres. Il faut le cadrer. Il faut le cadrer. Mais même dans ce cadre-là, mon Dieu, beaucoup se trompent. Parce qu'il suffit que tu prennes un verset dans une histoire et que tu le déplaces. Tu sors du
contexte de l'histoire. Parce que l'histoire n'est pas seulement le verset. L'histoire, c'est tout le chapitre. Alléluia. C'est pourquoi il est important, quand nous étudions la Bible, de comprendre ce que c'est. Le contenu de l'histoire. Alléluia. Oh mon Dieu, tu peux lire. Romains 12, de 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Je vous exhorte, frère, à offrir votre corps. C'est en bas du corps. Continuons de Dieu. Comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Saint. Saint. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez. Afin que vous discerniez. Quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Le problème ici, tu peux t'asseoir en dit. Merci. Le problème ici est au niveau du cœur, je l'ai dit. En fait, quand nous avons reçu des choses, dans l'environnement que nous avons grandi, ça peut être les membres de ta famille. Tu peux être mal entouré de tes propres frères et sœurs. C'est possible. On le voit dans beaucoup de familles aujourd'hui. Et d'ailleurs même, de nos jours, les grands ennemis, ce sont des frères biologiques. Ce sont des sœurs biologiques. On peut être mal entouré. Nous voyons comment Dieu veut bénir un homme. Dieu veut passer par un homme pour bénir les générations futures. Il choisit Abraham. Mais ce qu'il demande à Abraham, c'est de sortir du milieu de sa famille biologique. Alléluia. Parce que l'environnement que vivait Abraham n'était pas adéquat pour qu'il reçoive la promesse de Dieu. Il fallait qu'il sorte. Alléluia. Et tout ce que nous avons reçu de notre enfance, le mensonge, l'adultère, l'impudicité, je ne sais pas quoi encore tu peux ajouter. Et quand nous sommes en Jésus, en fait, la personne que nous avons dit qui est la partie de Dieu, c'est la partie que Dieu s'intéresse. C'est l'esprit d'abord. Elle dit que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Amen, amen. En esprit et en vérité. Et je veux dire quelque chose de compliqué. En fait, Jésus, quand il est venu délivrer l'homme, quand on parle de l'adoption et on parle de la rédemption, on ne parle pas du corps. Vous êtes d'accord avec moi? On parle d'abord de l'esprit. Jésus est venu d'abord récupérer une partie de lui, sauver une partie de lui qui est l'esprit. C'est pourquoi il dit les vrais adorateurs adorent le Père d'abord en esprit et en vérité. L'adoration, ce n'est pas chanter, ce n'est pas danser. C'est l'état d'esprit d'abord. Amen. C'est lui qui a compris son état, sa position vis-à-vis de celui qui l'a créé, l'adore même les yeux fermés, sans acclamer, sans bouger, il est tranquille, mais il est dans la position de la soumission. Amen. Amen, amen. La soumission. En fait, l'adoration, c'est la soumission. La soumission à celui qui nous a créé. Alléluia. Amen. L'adoration, c'est la soumission à Dieu. Et il est venu sauver l'esprit. Et quand vous comprenez, c'est pourquoi Paul disait des choses compliquées. Et pour ceux-là qui n'avaient pas l'esprit vraiment, c'est difficile de le comprendre. En fait, les choses que Pierre pouvait expliquer avec ses mots plus simples, d'une manière plus simple, mais par rapport à son niveau, ça paraissait compliqué. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. C'est bizarre. Jésus qui vient pour libérer, il dit à la croix, tout est accompli. Tout sauf rien. Mais il y a un problème au niveau du cœur, il y a un problème au niveau du corps. Et c'est compliqué. Alléluia. Donc, Dieu, est-ce qu'on peut prendre oui. Romains 8, à partir du verset 18. Pour avoir un peu de béquilles sur ce qui s'est dit, sinon ça va paraître comme un doute. Alléluia. Romains 8, à partir du verset 18. Je n'ai pas noté, mais je crois que c'est ça. Romains 8, à partir du verset 18, jusqu'au verset 23 ou 24.
J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ces jours, la création tout entière soupire. La création tout entière soupire. Et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement. Mais nous aussi qui avons le prémisse de l'esprit. Le prémisse là, c'est par Jésus. Vous savez, ça vient du mot premier. Et nous, par Jésus, nous sommes devenus premiers. Et nous aussi, nous souffrons. Et la suite. Nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption la rédemption de notre corps car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Tu peux t'arrêter là, mon Dieu. Merci. Nous aussi nous attendons l'adoption et la rédemption de notre corps. Et c'est là même le but de l'enlèvement. Quand la trompette va sonner, c'est la Bible dit que c'est d'abord les morts qui vont être ressuscités en premier, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Et pourquoi les morts en premier? Alors que les acteurs, normalement, c'est ceux-là qui sont en action. C'est nous, les vivants. Mais pourquoi il va d'abord prendre ceux qui sont morts? C'est pourquoi? Parce qu'ils sont esprits. Que Dieu te bénisse. Parce qu'ils n'ont plus le corps. Alléluia. Parce que ce qui leur reste, c'est la particularité, la partie de Dieu. Et ça sera facile pour eux dans le monde. Mais pour nous, ça sera difficile. Pourquoi? Parce que nous avons encore le corps. Le corps n'est pas sauvé. Ce que Paul veut dire, en fait, c'est quoi? C'est que Dieu t'a donné toutes les capacités nécessaires. Afin que, par cette capacité, comme tu as reçu de ton enfant jusqu'à avant de le recevoir, tu as donner les directives à ton corps d'exercer ou d'accomplir la volonté que tu avais qui venait de ton cœur de la même manière. Yes. Et quand tu as reçu la parole de Dieu, quand tu es revêtu de la puissance, de la gloire de Dieu, de la même manière aussi, tu vas communiquer à ton corps afin qu'il obéisse, afin qu'il se soumise à sa parole, à la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est ça qui paraît difficile. Et quand nous réfléchissons, nous disons, mais en réalité, c'est vrai. Parce que quand nous avons grandi, il suffisait de demander à son corps d'aller se battre, d'aller faire quelque chose. Mais le corps exécutait aussitôt. Alléluia. Mais qu'est-ce qui coûte à un corps quand tu lui demandes de gêner et qu'il obéisse aussi et gêne? Vous comprenez ce que je dis? C'est le principe. En fait, c'est que Paul est en train d'expliquer. La deuxième épître de Paul, c'est que l'homme de Dieu a lu tout à l'heure. Paul avançait en âge. Et on nous donne la date de la rédaction, c'est à peu près aux environs l'année 66 après Jésus-Christ. Et quand nous prenons l'âge de Pierre, il était le plus âgé des disciples. Ça veut dire qu'il avait plus de 30 ans. Parce que l'âge de la maturité, à l'époque de Jésus, c'était 30 ans. Ça veut dire qu'il était plus âgé que les autres qui avaient 30 ans. On peut lui attribuer 40 ans, 50 ans, n'est-ce pas? Mais quand cette histoire est en train d'être racontée, c'est à l'année 66. Et si nous prenons 66, nous ajoutons avec 50 ou 40 ans. Ça veut dire qu'il était déjà avancé en âge, n'est-ce pas? Pierre déjà était déjà vieux. Et comme le désir, comme l'homme qui avait la charge, la responsabilité des âmes, alléluia. Est-ce qu'il y a des moments où on sent cette responsabilité? C'est-à-dire que tu sens que et tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien de ta soeur. Est-ce que tu sens cette charge-là? Ça, c'est la peur. Et si vous comprenez bien dans la version, après, puis, en fait, quand il arrive
à l'amour fraternel, ce qui te conduit à l'amour agapé. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir de l'amour. Agapé, c'est l'amour de Dieu. L'amour qui donne sans attendre ton frère, ta soeur en retour, quelque chose. C'est l'amour que Dieu a manifesté envers le monde. Alléluia. Amen. Et pour l'avoir, il faut fournir les efforts. En fait, ce qu'il est en train de dire à la fin, vous allez comprendre, c'est que si tu n'as pas ces éléments-là, tu n'iras pas. Tu ne seras pas enlevé. Et quand tu cites ces éléments-là, c'est en fait comme un fruit qui dit, je crois, dans Éphésiens, un fruit qui égale tous les éléments qui vont permettre d'alimenter la foi. Parce que là, la foi est déjà dans la, vie du chrétien. Nous avons déjà la foi. Il parle aux hommes qui ont déjà la foi. Mais ce n'est pas seulement la foi. Il faut ajouter des aliments pour nourrir ta foi. Parce que l'année qu'il est en train d'éditer ce message-là, c'est nous sommes dans le temps de la fin. Et il est en train de regarder la succession des événements qui va se passer. Il est en train de regarder ses enfants, sa descendance, combien ils vont supporter cela. Et vous savez que dans Jean 21, de 19 à 20, Jésus lui avait déjà prédit sa mort, comme martyr. Et d'ailleurs, il le cite dans ce qu'il dit. Je suis en train de voir ma mort conformément à la vision que le maître m'avait donnée. Tu étais un enfant, tu étais jeune, tu faisais tout avec ta force, mais un jour tu deviendras vieux. Et c'est les gens qui vont te prévaler de partout. Tu n'auras plus la force. Et effectivement, il est poussé en âge et il est en train de regarder la prophétie du maître s'accomplir. Il pense peut-être qu'il va mourir demain après. Mais qu'est-ce que je vais laisser à ses enfants? Et il voit le temps de la fin. Le temps de la fin, c'est... Et vous savez, c'est quand le temps de la fin a commencé? Quand on parle du temps de la fin, ça a commencé quand? À la Pentecôte. C'est vrai? C'est vrai? Le frère dit que le temps de la fin a commencé le jour de la Pentecôte. On peut lire... c'est bien, on en profite un peu du tout. On peut lire Actes 2, verset 17. C'est la répétition de Joël 2. Parce que souvent, ça cause problème. Le temps de la fin, le temps de la fin. Il y a des gens qui pensent qu'on n'est pas encore arrivé au temps de la fin. Il y a des gens qui pensent que le temps de la fin est déjà passé et nous sommes au temps de la grâce. Alors nous sommes finalement dans quel temps? Actes chapitre 2, verset 17. Dans le dernier jour, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Et vos vieillards auront des songes. Continue. Oui, sur mes serviteurs. Oui, sur mes serviteurs. Et sur mes servantes. Et sur mes servantes. Dans ces jours-là. Je répandrai de mon esprit. Je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Et ils prophétiseront. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons répondre à la question? Le temps de la fin a commencé quand? Mais c'est le jour de la Pentecôte que Dieu te bénisse. Le jour de la Pentecôte a donné double naissance. La naissance de l'Église et la naissance du temps de la fin. Le temps de la fin a commencé le jour de la Pentecôte. Il est en train de répéter ce que Joël 2 a dit. A dit que quand nous parlons du temps de la fin, ce n'est pas une question d'aujourd'hui. Ça a commencé depuis la naissance de l'Église. Mais seulement, il y a une période, il y a une succession de périodes, il y a une succession des événements qui sont contenus dans cet espace-là, du temps de la fin. Et Pierre est en train de le voir de loin. Le Covid que nous vivons aujourd'hui, les pauvres ne l'ont pas vécu. Alléluia. Aujourd'hui encore, il y a des pays qui sont sous des bombes depuis des années. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger. Parce qu'il y a des guerres qui ne s'arrêtent pas. Nos ancêtres n'ont pas vécu. Alléluia. Donc, Paul, Pierre était en train de voir ces éléments-là. Et il est en train, comme vous lisez dans la Bible d'études, vous allez voir comment on a énuméré les périodes, les problèmes que Pierre voulait traiter. Il y avait des faux docteurs. Et qui savaient que la foi qu'eux, ils avaient posée sur la vie, dans la vie de ses enfants, il devait avoir des gens qui viendront après eux et qui vont poser d'autres enseignements sur ce qu'ils avaient déjà posé. Et il mettait en garde l'église. C'était plein de choses. C'est le souci d'un papa qui voit sa mort et qui regarde à la vieillesse de ses enfants. C'est le proverbe qui le dit. Instruit des enfants selon la voie qu'ils doivent suivre.
afin que quand ils seront vieux, qu'ils ne s'en détournent point. Est-ce que tu as déjà vu la vieillesse de tes enfants? C'est-à-dire de voir ton enfant, ton dernier-né, à l'âge de 100 ans, sachant que tu ne seras pas là. Alléluia. Tu le vois à l'âge de 50 ans. Parce que c'est impossible, un enfant qui a 2 ans aujourd'hui, et que toi tu as 50 ans aujourd'hui, que tu vois. Bon, c'est vrai. Maintenant là, je sais qu'il y a d'autres contrées où les parents, ils arrivent à 120 ans, 130 ans, mais c'est difficile. Difficile. J'ai un ami qui m'a dit, voyant son père à l'âge de 90 ans, il dit, je ne souhaiterais pas atteindre cet âge. C'est difficile. Tu redescends, tu deviens comme un bébé. Tu ne sens plus rien, tu ne parles plus comme tout le monde. Alléluia. Est-ce que nous avions déjà pensé à l'avenir de nos enfants? Pendant qu'on se préoccupe des choses d'aujourd'hui, est-ce qu'on pense un peu à la projection de ce qui va se passer après? Alléluia. On pense aux voitures, on pense aux maisons, on pense aux habits. Est-ce que nous pensons que l'héritage qu'il faut pour nos enfants, c'est des biens matériels? Non. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et c'est ce que Pierre voulait inculquer à ses enfants. Sachant qu'ils avaient reçu déjà à la base, et sachant qu'il devait y avoir des personnes qui devaient venir introduire, on appelle les mal affermis. C'est-à-dire que ceux-là qui ont lu la Bible, mais qui n'ont pas compris la Bible, mais qui pensent qu'ils ont la capacité d'interpréter la Bible. Ils ont la volonté, mais ils n'ont pas la capacité. Alléluia. Amen. Ou encore ceux-là qui ont étudié, qui ont compris, mais qui viennent pour le but de détourner l'attention de l'Église. Il y a deux dimensions des enseignants dans ce type que Pierre voulait traiter. Alléluia. Et il voulait les aider. D'ailleurs, à la fin, il dit, je le laisse afin que quand je ne serai plus là, que vous vous souvenez de tout ce que je vous ai dit. Parce que vous allez les voir venir, vous allez les entendre parler. Mais quand vous allez les entendre, vous vous souviendrez de tous ces paroles que je suis en train de vous annoncer. Alléluia, c'est des faux. Alléluia, c'est des faux. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui dire, voilà, c'est cette parole que nous recevons. Est-ce que la mettre en pratique, c'est des problèmes. On peut toucher la soumission, n'est-ce pas? C'est la soumission. Parce que nous avons dit le dimanche passé que le corps, c'est l'esclave de l'âme. En fait, le corps, c'est un agent où tu lui dis, amène-moi à tel endroit, il n'a pas à se contredire. Il doit s'élever et t'amener. Mais la personne qui l'amène, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit. En fait, dans l'homme, c'est l'esprit. Le corps, mais qui n'est pas. Voilà pourquoi on peut te couper le bras, on peut te couper même le pied. Ce n'est pas toi. On peut te couper et tu es toujours vivant. C'est ton esprit qui vit. Alléluia. Amen, amen. Mais quand l'homme de Dieu nous a dit, quand quelqu'un meurt, la première chose, c'est le sang qui est vidé. Tu n'as plus le sang, tu n'as plus de vie. Mais si on te coupe la main, tu vis. On te coupe le pied, tu vis. Alléluia. Amen. Et c'est de cette personne-là qu'il s'agit. Et si nous avons compris comment cette personne-là doit s'habiller, et nous allons finalement comprendre comment habiller la personne extérieure. Alléluia. Amen. Mais l'habillement, moi je dis que c'est un problème de coutume aussi. Ce que nous utilisons dans la parole de Dieu, c'est la coutume juive. Au-delà des habits sacerdotaux qu'on nous a montrés dans Exode 28, je crois, versets 1 à 2, mais nous avons la vie normale des Hébreux. Et ici en France, c'est les vestes, les cravates, les pantalons, tout ce qu'il faut. Mais ce n'est pas dans tous les pays. Il y a des pays où ils se mettent tous en tunique. J'ai vu comment en Turquie, les hommes et les femmes, comment ils se mettent en tunique. J'ai vu dans d'autres contrées où les hommes et les responsables, comment ils mettent un pâle comme une femme. Mais c'est leur coutume. Rien à voir avec ce que Dieu nous recommande. Dieu veut d'abord que nous soyons revêtus spirituellement. C'est de ça qu'il est question d'abord. Et quand l'être spirituel va être très bien habillé, vous verrez que même dans le choix des vêtements que tu mettras, ce n'est pas toi qui vas choisir, c'est l'esprit en toi. C'est la personne spirituelle qui va faire le choix à ta place. Et vous savez, aujourd'hui, nous l'avons dit le dimanche passé, comment la mode nous présente le vêtement. Et nous savons bien que je ne connais pas un chrétien
couturier. Je ne connais pas, j'en connais pas. Si j'en connaissais ici à Nice, peut-être c'est là-bas que je partais acheter mes habits pour l'enrichir parce que nous sommes frères. Mais je ne connais pas. Et de tous les couturiers que je connais, les grands couturiers, c'est des méchants. C'est des gens qui sont dans des loges. Et leur but, c'est de dénigrer le corps. Parce que le corps, notre corps, est le temple du Saint-Esprit. Amen. Ils te font des habits, ils te mettent des trous de partout, tu ne fais pas attention. Mais quand tu portes, tu sens qu'il y a, c'est un symbole caché. C'est pour exposer une partie de toi. Alléluia. Amen, amen. Pour t'exposer. Tu humilier. Ça passe. Vous savez, il y a des milieux où les gens ils disent, bon voilà, ça va. Mais tu vas arriver dans un milieu où les gens sont bien armés spirituellement. Ils vont te regarder. Il y a des milieux que tu vas porter ces habits-là qui vont passer. Mais il y a des milieux que tu n'arriveras pas. Ou peut-être que tu vas t'infiltrer. L'homme de Dieu nous a dit dans les habits de fête. Un infiltré s'est retrouvé. Pourtant, il était habillé. Mais les habits ne correspondaient pas à la fête. Et on lui a mis dehors. Alléluia. On lui a mis dehors. Nous devons manifester, montrer. Et d'ailleurs, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi, elle est comment? Elle est invisible. On ne peut pas voir la foi. Et c'est là que Jacques intervient en disant, mais une foi sans œuvre est une foi morte. Ça veut dire que tu as la foi, mais tu dois manifester cette foi. Amen, amen. Tu es habillé intérieurement et tu dois le manifester aussi extérieurement. L'homme nous a donné l'exemple d'un fou. Comment le fou s'habille? Moi, je connais un fou de chez moi, et quand tu le vois, il a des chaînes de partout, il a au moins 50 habits sur lui. Il devient comme ça. Et tu sens que c'est un fou. C'est son intérieur qui le fait habiller comme ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est ton et son intérieur. C'est pas l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si nous voulons vivre dans l'environnement de Jésus, avoir les habits de Dieu, comme Adam l'avait auparavant, avant le péché, nous devons armer notre esprit de la parole de Dieu. C'est pourquoi, vous voyez, Christ a demandé aux disciples de prier, ne fût-ce qu'une heure du temps. En fait, quand on mange tous les jours, quand on s'habille, en fait, on fait plaisir au corps. Et je l'ai dit le dimanche, et quand tu achètes un habit, est-ce que tu penses à l'habit intérieur? L'habit intérieur, c'est des œuvres. J'ai parlé de Tabitha, d'Ocas. Par ses œuvres, elle était morte, mais ressuscitée par ses œuvres. Les œuvres parlent plus que les vêtements physiques. Les œuvres. Et Jésus viendra nous trouver. Alléluia. Et c'est nos œuvres qui vont parler. Alléluia. Est-ce que vous vous tenez debout? Si aujourd'hui l'Église pouvait réaliser, et nous, notre rôle, c'est la soumission. Il a dit dans Ephésiens 5, je crois 22 à 28, il a donné le modèle. Il a dit que la femme soit soumise à son mari et que le mari aime sa femme. Et à la fin, il dit c'est un mystère. Et il donne l'exemple, en fait, il dit comme Christ a aimé l'Église, le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et la femme doit à son tour être soumise comme l'Église est soumise à Christ. Waouh! J'ai aimé, pendant le partage, quelle est l'équation la plus difficile dans les deux? C'est l'équation de l'homme, vous savez? La soumission, c'est simple. Tu me dis ce qu'il y a à faire, je le fais. Mais aimer comme Christ a fait, c'est difficile. C'est livrer, donner sa vie. Ça veut dire qu'un brigand rentre chez toi, c'est toi le premier à mourir. Tu meurs en premier. On ne touche pas ta famille sans te toucher. Est-ce qu'il y a une femme qui est soumise ce matin? Alléluia. Est-ce que c'est difficile de se soumettre à la parole de Dieu? Est-ce que c'est difficile de se soumettre à son mari? C'est l'exemple. Ça veut dire que celui qui n'est pas simple, c'est en fait un exercice qu'on donne à un couple qui est l'image de ce qui est spirituel. Alléluia. Une femme qui est soumise, c'est celle qui est sauvée. Un mari qui aime sa femme, c'est celui qui est sauvé. Et c'est ça l'Église. C'est ça l'Église.
Et l'Église doit être soumise à la tête, la tête qui est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Thessaloniciens 5:23. Que le Dieu de paix vous sanctifie. Que le Dieu de paix vous sanctifie. Lui-même tout entier. Lui-même tout entier. Là, ils disent que le Dieu lui-même vous sanctifie tout entier. Ça veut dire corps, âme et esprit. Oui. Et que tout votre être. Et que tout votre être. L'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Soit conservé irréprochable lors. Conservé irréprochable. Là, il parle de la conservation. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous avez compris le travail que nous avons fait? C'est-à-dire qu'il t'a donné un habit. Il a même déjà habillé ton âme, ton esprit, ton corps. Mais c'est à toi de les conserver irréprochables devant le jour de son avènement. Et la conservation, là, c'est le lavage, le lavement, la purification. Les habits blancs présentent des taches de temps en temps. Et quand tu vois une tache, tu dois la nettoyer. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas que Jésus vienne te retrouver avec une petite tache, sinon tu n'es pas pardon. Alléluia. Sinon tu n'es pas pardon. Que Dieu te bénisse, tu lèves ta voix, tu demandes à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je veux m'éloigner de l'environnement. Je veux vivre dans ton environnement qui est la parole, la prière. Je veux me sanctifier davantage, Jésus. Je veux m'attacher à toi, Père l'Éternel, dans la prière. Je veux rester attaché à toi, Père l'Éternel.